L'histoire que je vais vous raconter s'est passée il y a très longtemps de cela. À l'époque, plusieurs candidats aspiraient à devenir seigneurs de toutes les mers. Il était un petit équipage à notre début et l'ère de la piraterie commençait à peine à prendre son pied. J'officiais comme moussaillon sur le 5 après du capitaine Clé de Sol. Et oui, le dangereux Clé de Sol. On était à peu près 16 et les plus forts de notre groupe avaient la chance de se faire priver de corvée. On passait notre temps à sillonner les mers du Sud à la recherche de trésors, d'aventures, de trésors et surtout de dangers. Ce n'était pas un hasard si le capitaine Clé de Sol avait choisi le 5 après pour sa nouvelle exploration. C'était un magnifique bâtiment de presque 200 pieds de long, taillé pour supporter les gros temps et accueillir un équipage de 60 hommes. 50, ces trois mâts de bois clair soutenaient des dizaines de voiles d'un vent laiteux à l'aspect du laiteux. Sa coque, fine et profilée, avait été bâtie pour coiffer aux photos les navires les plus rapides de l'époque. Non, ce n'était vraiment pas un hasard si le capitaine Clé de Sol avait choisi le Saint-Catherine. L'homme d'une quarantaine d'années avait la posture de ceux qui aimaient le pouvoir. Ses cheveux pauvres et sel étaient coupés courts et sa moustache en bois s'était taillée au millimètre près. Pas un fil ne dépassait de son bel uniforme bleu nuit et ses galons d'or luisaient au soleil. Il gardait sur sa tête un tricorne noir corbeau orné d'une plume d'autruche blanche. Pour quiconque le voyait pour la première fois, l'homme était impressionnant. Il connaissait les mers comme sa poche, les océans presque autant. C'était le jour du départ, les cargaisons étaient chargées et les marins étaient à bord. Thank you.
Thank you.
Et leur visage blanc comme les nuages.